Look, I need a bitch with some confidence. A girl with an ego as big as mine. And if she ain't got it, she gotta go. I can't afford. You are now listening to the hottest Eh bien, bonjour à tous et à toutes, Sergius, j'espère que vous allez bien, car moi ça va super les gars. Aujourd'hui on se retrouve sur la chaîne de la Stitza Clan pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo informative à propos de Infinite Warfare. Donc avant de présenter le sujet, je vais vous présenter le gameplay. Donc en ce qui concerne le gameplay, vous avez sous les yeux une magnifique nucléaire à la HCR2 sur infection réalisée par notre cher ami Fizzots. Donc j'espère que vous le féliciterez en commentaire, ça lui ferait vraiment très plaisir. Et donc au passage, on va envoyer cette vidéo aux chaînes communautaires telles que CodeQG et la CodeFR. J'espère qu'elles nous soutiendront, ça nous ferait vraiment très plaisir et nous permettrait de gagner encore plus d'abonnés plus facilement. Donc on va désormais passer au sujet de la vidéo qui concerne un leak probable sur Infinite Warfare. Donc j'ai trouvé ça il y a même pas quelques minutes et voilà, je voulais vous le partager. Donc en ce qui concerne le leak, donc voilà, tout le monde en a déjà eu marre à cause d'une partie qui se termine trop vite à cause d'un abandon des ennemis, ou encore vous sortez des raps, noyaux énergétiques, haters, enfin voilà, des trucs qui font bien chier les adversaires. Et au final, bah, qu'est-ce qui se passe? Et bien, les adversaires ils quittent en majeure partie, voire tous. Et donc voilà, ça permet de. Ça brise les séries pour ceux qui sont en série, ça brise un record de kills, pourquoi pas, ça brise vraiment plein de choses. Et ça fait vraiment chier bah, ceux qui les font racheter. Ou encore d'autres problèmes parce que les ennemis hitent, parce qu'ils ont plus de connexion, parce qu'ils ont des problèmes personnels. Voilà, vraiment plein de choses. Et bien peut-être que sur Infinite Warfare, il n'y aura pas ce problème. En effet, les amis, sur Infinite Warfare, on pourra peut-être retrouver des online bots. Donc ce qui est traduisible en français par des bots multijoueurs. Donc peut-être que sur Infinite Warfare, une fois que un ennemi titrera ou un allié titrera encore, parce que c'est aussi possible, et bien peut-être qu'il y aura des bots qui remplaceront les personnes qui sont parties et qui permettraient peut-être de pouvoir terminer la partie tranquillement en 6 contre 6, finaliser nos séries et le nombre de kills, et ça serait vraiment pratique pour tout le monde. Donc sur ce, on arrive à la fin de cette vidéo. C'était vraiment une vidéo très courte pour vous annoncer ce leak. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la Stitza, à me féliciter le player et le commentateur en commentaire si ça vous a plu. Et sur ce, je vous dis bye tout le monde. I got broads in the London, just to the lean the family, credit cards and the scammers, hitting the